Toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute des sportifs, une émission qui vous permet également de rester en contact permanent avec le sportif congolais. Sachez-le très bien que c'est une émission spéciale que nous organisons ou que nous faisons également ici en Afrique du Sud, question de bien vouloir aussi promouvoir le parc basketball chauffoté qui sont en préparation ici à Johannesburg. Vous le savez très bien, nous sommes au centre sportif de Mandeville où travaille également la sélection nationale senior dames et messieurs de la République démocratique du Congo qui prépare également le jeu para-africain Ghana 2023 que nous avons également le plaisir de vous présenter à travers cette émission de différentes interviews et interviews et réactions que nous avons donc récoltées tout au long de cette émission. Une émission, comme je l'ai dit tantôt, spéciale ici en Afrique du Sud que nous vous proposons également à travers les antennes de PS Télévision. Vous nous suivez également sur Canal Plus, Canal 346, sur Easy Télévision, Canal 6 et puis dans le bouquet StarTime et TNT. Sachez-le très bien que vous êtes tellement nombreux à nous écrire à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous vous en sommes également reconnaissants pour ce gros travail de suggestions que vous nous faites également à travers cette émission à l'écoute de sportifs. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui nous avons plusieurs sujets à aborder tout au long de cette émission, plusieurs éléments également à vous proposer à travers cette belle tranche et surtout une interview en exclusivité que nous avons rencontré également un international congolais qui évolue également à Soweto et avec qui nous avons donc échangé et parlé avec lui sur les différentes questions qui rangent également sa participation dans différents clubs qu'il a donc évolué à Lubumbashi et puis ici en Afrique du Sud. Nous allons donc aussi parler du capitaine. Nous allons donc échanger avec le capitaine de la sélection nationale, monsieur de la République démocratique du Congo, Ronald Dibou, à qui nous avons lui, il nous a également parlé de ses différents soucis, de leur parcours, leur participation à cette préparation que la RDC est en train de poursuivre sa dernière phase ici en Afrique du Sud. Et puis nous allons donc comprendre également Monsieur Duki, qui est aussi journaliste sportif, qui a parlé également du népotisme, ce phénomène également qui range également dans les différents secteurs politiques et sportifs de notre pays. Pour ce faire, on démarre déjà cette émission avec cette information. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu hier les athlètes congolais participant au 9e jeu de la francophonie. Il nous a également offert un dîner au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Il a aussi profité de ce même moment d'encourager également ces athlètes congolais qui ont donc honoré la RDC avec notamment plus de 30 médailles que la RDC a su gagner durant ce 9e jeu de la francophonie en battant également le record de son propre record dans différentes participations au 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État les a félicités et a promis également des primes pour l'équipe nationale de la RDC qui a donc participé à ce 9e jeu de la francophonie et à d'autres participants qui ont donc accompagné le part de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Et voilà, on poursuit également cette émission après avoir suivi également ces images que le chef de l'État, le patron du sport congolais, le garant du bon fonctionnement, a donc reçu ses athlètes participants au 9e jeu de la francophonie. Nous allons donc prendre une part de la République démocratique du Congo qui jouera son match de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Le sélectionneur Sébastien Desabre va donc faire une conférence de presse en donnant également la liste de joueurs qui sont donc sélectionnés pour cette rencontre aussi importante pour la République démocratique du Congo. Ça sera pour ce 24 août que nous allons donc savoir les élus de l'État de la République démocratique du Congo qui vont donc participer à cette rencontre aussi importante que le RDC va donc jouer, qui est donc qualificatif également à la CAN à Côte d'Ivoire 2024. Et on reste serein qu'il y aura également de nouveaux visages parce que l'entraîneur a su également faire des déplacements en Europe et partout pour voir également des joueurs qui peuvent toutefois intégrer la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Ne ratez pas, ça sera lors d'une conférence de presse le 24 août prochain que Sébastien Desabre va donc publier la liste de la sélection nationale de la RDC qui va donc jouer face à la formation du Soudan ici en République démocratique du Congo, en attendant l'homologation du Stade des Martyrs. Ce sera aussi important pour la RDC de jouer ce match de la dernière journée au Stade des Martyrs de la Pentecôte. On poursuit également avec les informations. Cette fois-ci, nous allons prendre les hommages également rendus par le sportif congolais à ses
emblématique également entraîneur de la RDC, Andy Futsila. Nous avons donc vu plusieurs visages de sportifs qui ont donc participé également à cet hommage. Et nous avons donc vu aussi Constant Omari, l'un des présidents, l'ex-président de la Fédération Congolaise de Football Association, qui a aussi fait un témoignage vibrant pour cet emblématique entraîneur de la République démocratique du Congo qui a donné sa vie pour le football congolais. On suit et puis on se retrouve juste après. Ma gloire, Andy Futsila venait chaque fois en stage. Quand Soligraf était en Coupe d'Afrique, les joueurs de Soligraf sont des témoins. Moukeba et le Sadissou l'accueillaient. Fanny In Mouchid pour l'encadrer pour ses thèses de doctorat. Et j'étais parmi ces cobayes parce que nous étions tous en formation en France. Et c'est grâce à Andy Futsila, le président Constant est le premier témoin, si nous avons eu des stages de haut niveau à Clairefontaine en France, c'est Andy Futsila qui a ramené deux bourses en République démocratique du Congo, dont moi j'étais bénéficiaire d'une bourse, et la deuxième bourse, Lucien Baya de King City. Je suis parmi ceux qui ont accueilli Andy dans la famille du football congolais, plus précisément dans la formation d'entraîneur. Ensemble, nous avons mis sur pied, je crois que mon prédécesseur venait de le dire, un plan de formation assorti des licences et des certificats. Parce que, à un certain moment, cela n'existait pas. Et nous avons travaillé avec Andy. Andy a dirigé les équipes nationales sous ma direction. Je voudrais saluer ici ce compatriote qui a travaillé avec abnégation, avec engagement et surtout avec amour de sa patrie. Andy a accepté de travailler sans des contrats. Il s'est contenté des primes de match. Et ce n'était pas facile. Malgré tout ce qui se passe, j'ai pu découvrir beaucoup de choses durant ce que j'appellerais maintenant un voyage. J'ai appris à connaître mon papa quand même, un peu plus de lui, ma famille, mes frères et sœurs. J'aurais aimé qu'il nous voit tous ensemble, tous les quatre. Et je sais qu'il est content de me voir. Tous ces moments qu'on partage ensemble et on a créé des magnifiques souvenirs ensemble pour lui et pour nous. Donc, c'est peut-être pas les vacances que j'attendais, mais ça reste. Souvent, vous aurez les hommages également de nos sportifs congolais qui ont rendu également à Andy Futsila, l'entraîneur international congolais, l'emblématique qui a été aussi parmi les instructeurs des entraîneurs en République démocratique du Congo, qui nous avait également donc laissé. Les sportifs congolais étaient tellement joyeux de rendre les hommages aussi méritants à ces dix fils du pays qui a honoré comme ça notre la République démocratique du Congo. Ce problème de népotisme que nous sommes en train de bannir dans le milieu sportif politique. Comme vous le savez très bien, un analyste sportif, Mosmo Senjou, nous a donc livré également ses impressions. Il nous a donné également son point de vue par rapport à ce problème qui est donc collé au ministre de Sport, le loisir François-Claude Kaboulé-Moana Kaboulé, qui travaillerait également avec quelques membres de sa famille dans son cabinet de travail. Suivez cet élément de Moss, qui est donc journaliste sportif à Mercure Télévision. Ouais, voilà, donc j'aimerais aussi participer à ces sujets sur le népotisme dans la société congolaise. Ouais. C'est vrai, depuis quelques jours, il y a beaucoup d'encre, il y a des médias qui parlent du népotisme du ministère de Sport avec l'excellence François-Claude Kaboulé-Moana Kaboulé. Mais moi, je pense qu'il faut voir ça dans sa globalité. Le népotisme, le clientélisme, ce sont des mots, ce sont des vices, ce sont des défauts, ce sont des antivaleurs. Il faut le combattre.
Mais aux côtés, il faudrait aussi prendre des choses, pas d'une manière très très stricte, mais peut-être d'une manière très large. Donc, par exemple, quand est-ce qu'on parle de népotisme? Voilà, donc, est-ce que le fait d'avoir une seule personne, deux personnes proches sur un coup, sur un travail, au sein d'une entreprise, est-ce que c'est forcément un népotisme? Je pense que le népotisme, on peut le prendre comme ça, comme le taux, hein, le taux de choix. Donc, si vous êtes au nombre de 10, 15 personnes, et que déjà 6 ou 7 personnes appartiennent à une même contrée, de même origine, source et tout, là oui, on peut parler clientélisme, on peut parler népotisme. Il faut, l'éthique morale voudrait ouvrir son champ à beaucoup de personnes, même si on connaissait des personnes compétentes qui sont proches de nous. Voilà pourquoi même il y a des entreprises, hein, il y a des entreprises où on défend même que les membres d'une même famille puissent par exemple postuler dans certains postes si déjà il y a des gens de jouer à des jeux concours parce que quel que soit l'objectivité du choix, ça va s'apparenter au népotisme et tout. Donc je pense que c'est un cas beaucoup plus global qui tue la société en général, surtout la société congolaise. Il faut le prendre avec sérieux, il faut le traiter avec sérieux. On a vu le nom au sein du cabinet du ministère de sport. Moi, c'est un débat que j'aime pas entrer. Je ne sais pas trop parler sur ça. Ce sont des affaires internes. Moi, j'aime beaucoup plus me concentrer sur les résultats de cette équipe-là dans l'ensemble. Mais s'il y a quelque chose qui n'honore pas l'éthique, la morale, je pense qu'il faudrait arranger. Mais moi, je m'attends plus aux résultats. Peu à des gens qui font les résultats. Voilà. Et voilà, vous avez donc suivi cette réaction ferme de ce journaliste sportif congolais, Mesmo Senzi, qui a même réagi par rapport à ce problème qui lie également le ministre de Sport et l'Inclusion. Je pense que c'est un faux débat. On a donc pensé passer également à autre chose, voir également des résultats que la République nous a, que la République attend de nos sportifs congolais, qui de s'attarder également dans cette problématique de famille des différents cabinets du ministre de sport. On va donc prendre également aussi cette image que vous allez voir également à ce moment, le ministre de l'Hydrocarbure, Didier Boudoumbou, qui organise également un tournoi de club de football de Kasangoulou pour ce 18 au 26 novembre 2023 dans les différents terrains de Kasangoulou. Vous savez donc la canette de ce tournoi est donc 30 millions de francs congolais qui est donc mise en jeu pour le vainqueur de cette compétition. Et on profite également pour féliciter le ministre pour cette initiative aussi louable pour la jeunesse congolaise. Ça se voit que c'est un monsieur qui aime également la jeunesse congolaise, qui veut également à tout prix apporter sa pierre à l'édifice à la jeunesse congolaise, qui vont donc participer dans ce tournoi. 30 millions de francs congolais mis en jeu pour le vainqueur de cette compétition. Et on reste également serein pour le vainqueur qui va donc gagner cette compétition. Comme vous savez très 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 bien, le tournoi de Maître Francis a donc ici en République démocratique du Congo, un élément aussi important que nous avons noté durant notre listing des éléments d'aujourd'hui. On prend cet élément très rapidement et puis on se retrouve juste après pour prendre cette interview qui nous a également accordé à un des joueurs internationaux congolais, Yves, à qui nous allons donc vous proposer après cet élément. Promouvoir les jeunes de la commune de Massina, mais surtout les sportifs en particulier, est l'une des priorités que s'est fixé Maître Francis Kabongo, notable de ses coins. Après la tenue des 9e Jeux de la Francophonie, Maître Francis Kabongo s'est dit choqué de constater l'absence des judokas de sa commune dans cette compétition. Voilà pourquoi il a organisé ces tournois des judos en présence du coordonnateur national des activités des judos afin de lui faire découvrir les talents
que la commune de Massina regorge. J'ai eu à regarder avec beaucoup d'attention les compétitions de la francophonie. Mais en ce qui concerne le judo, je constate avec regret que ma commune patriotique de Massina, n'a pas été représentée. Et je me suis dit qu'il était question de susciter une certaine émulation par rapport aux médailles remportées par nos athlètes congolais. J'ai eu, en ce qui me concerne, à contacter personnellement le coordonnateur national de judo, maître Nicolas Lianza, pour essayer de donner l'occasion aux jeunes talentueux de Massina de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Si demain ou après-demain, il y a une compétition, que cette coordination ne cesse jamais de jeter son regard sur la commune de Massina, qui regorge de meilleurs judokas. Accompagné pour la circonstance par des médaillés des Jeux de la francophonie, maître Nicolas Lianza, patron de la discipline en RDC, a salué cette initiative. La commune de Massina a bien voulu m'inviter. Je suis venu pour constater ainsi qu'accompagner cet effort qui est fait par maître Francis Kabongo, un natif de Massina, qui se bat pour l'émergence du sport, de la jeunesse en général et du judo en particulier. Je ne peux que le soutenir parce qu'il soutient le judo congolais. Pour les Jeux de la francophonie, nous disons merci au chef de l'État et nous voulons continuer dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, accompagner le judo avec un judo de proximité. Voilà pourquoi nous sommes venus. Toujours dans sa vision de développer les judos congolais, maître Nicolas Lianza, qui a été émerveillé du spectacle, a par la même occasion annoncé qu'il prend en charge la réhabilitation de ses dojos. Cette nouvelle a enthousiasmé le public qui a juré d'accompagner sans condition les actions des maîtres Francis Kabongo dans la commune de Massina, mais également des maîtres Nicolas Lianza à la coordination nationale des activités des judo. Et voilà, on va donc partir très rapidement pour suivre également cet entretien que nous avons donc pris avec ce joueur international congolais qui nous a parlé également de sa vie et de son parcours dans le basketball. Comme vous savez très bien, il est aussi professionnel ouvrier ici en Afrique d'ici. Il faisait des études et puis il est parti donc dans le milieu de basketball pour bien évidemment espérer aussi représenter le RDC dans différentes compétitions sur le plan continental et sur le plan international. Ensuite, on se retrouve juste après. Bonjour à tous, je reprends au nom de Yves Moulissa, international congolais, basketteur, professionnel en Afrique du Sud. J'évolue dans le club de Soweto Panthers, je suis meneur de jeu. J'ai commencé ma carrière quand j'étais enfant à Lubumbashi, j'avais 10 ans et j'évolue en tant que meneur à Lubumbashi Sport, chez les cadets. Junior, je suis monté jusqu'au senior. Et après le Congo, je suis venu en Afrique du Sud, premièrement pour les études. Et après cela, j'ai commencé à jouer pour l'université. Après l'université, l'équipe de Soweto Panthers m'a vu. Après l'avoir me consulté et j'ai commencé à jouer pour eux. Quand je suis arrivé à Soweto Panthers, il y avait vraiment un grand challenge. Mais j'ai travaillé dur. Je n'ai pas lâché les bras.
n'avait pas lâché les bras. C'était pas compliqué pour moi, l'intégration et le fait de travailler, de mettre la confiance en moi-même. J'ai évolué au sein de l'équipe. Les difficultés, premièrement, j'avais été avec des chocs au Congo. Et deuxièmement, la langue aussi. Et que j'apprenne la langue. Donc c'était vraiment compliqué pour moi, mais avec le temps, l'aide du médecin et moi-même, Dieu m'a fait grâce. Bon, pour le moment, il n'y a pas de difficulté. L'accueil était favorable. Mes coéquipiers étaient vraiment gentils et généreux avec moi. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de problème. Et ils m'ont pris comme leur frère au sein de l'équipe Soweto Panthers. Bon, je pourrais dire qu'à Lubumbashi, on travaillait plus, je travaillais dur et le niveau était vraiment élevé. Ici, le niveau est quand même pas assez bas, mais quand même, il y a un niveau équilibré en fait. Pas comme chez nous au Congo, à Lubumbashi, là, le niveau était vraiment élevé. Oui, c'était ça l'objectif. Bon, en fait, l'objectif de maman, elle a vraiment joué au basketball et elle a voulu que son fils aussi évolue à l'extérieur du pays. Alors, ça fait 5 ans maintenant que je suis au sein de l'équipe Soweto Panthers. Qu'est-ce que tu as quand même gagné depuis Je suis sorti vice-champion les deux dernières années, les deux premières années. Et avec la stature des joueurs, il y avait des complications, des changements de joueurs. Et j'avais aussi eu des chocs qui étaient vraiment graves. Alors j'avais pris un grand repos de 6 mois. Mais quand même, j'ai gagné beaucoup avec la deux fois vice-champion en Afrique du Sud. Cette fois-ci, on devait être champion. Et c'est ça aussi mon souhait et mon rêve d'intégrer l'équipe nationale et d'aider mon nation. Bon, je travaille sur ça, je m'y mets vraiment et je compte vraiment arriver à jouer pour l'équipe nationale. Un mot de la fin à tous les Congolais qui suivent ce match. Je vous aime beaucoup. La Ligue de la Mungu, votre enfant Yves Moulissa, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Nous avons donc suivi cet international congolais qui a donc parlé de sa vie, qui a donc dit des difficultés qu'il a rencontrées durant son parcours ici en Afrique d'ici. Mais pourquoi ne pas aussi parler de la République démocratique du Congo, mais il reste serein pour son souci qui est donc de jouer également avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. On va donc prendre cette interview en exclusivité que nous avons donc réalisée avec le capitaine de la sélection nationale de basketball sur fauteuil de la RDC, Ronald Bumbu, qui a donc parlé de leur parcours de Goma jusqu'en Afrique d'ici. Suivez. Bonjour, je suis Ronel Dimbo. Je joue au basketball sur fauteuil. Je suis le capitaine de l'équipe nationale masculine. Bah, du coup, je veux dire que ça s'est bien passé. Il faut souligner qu'à Goma, on était de passage. Il est temps pour nous de régler des problèmes administratifs. On s'est décidé de s'entraîner quelques jours à Goma. On a fait 4 jours d'entraînement. C'était bien pour nous aussi, au lieu de rester comme ça. On s'est entraîné, ça s'est très bien passé. Et après cela, on avait pris la route pour Bujumbura. Là-bas, c'était une présélection de l'équipe nationale dans les deux versions. Mais nous, parlant de nous en tant qu'hommes, je veux dire que la préparation s'est bien passée à Bujumbura. On était au point de fixer quelques problèmes techniques parce que nous avons toujours des problèmes de finition. On voulait s'adapter de plus en plus dans ces finitions-là. Alors, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que le staff technique avait mis un programme qui était encourageant par rapport à notre amélioration, parce que l'objectif est tellement très grand que nous voulons réaliser la qualification au Paris. Donc, voilà ce que nous avons fait à Bujumbura. C'était vraiment bien pour nous. Et enfin, on a travaillé aussi concernant les blocs. Ça veut dire, au basketball, s'il faut il faut faire des blocs. Sans des blocs, vous ne pouvez pas déployer le terrain pour aider les coéquipiers à marquer. Donc, le staff technique a insisté sur ça. On s'est bien adapté concernant les blocs aussi. Personnellement, je dirais oui, parce qu'il faut avancer dans chaque étape. Je suis
tant que capitaine, je dois améliorer aussi mes capacités personnelles et afin d'aider aussi mes coéquipiers. Donc la préparation à Bujumbura m'a aidé personnellement à évoluer, à changer quand même certaines tactiques techniques vis-à-vis au programme que le staff technique avait mis. Ça m'a aidé concernant les shoots de précision, les blocs, les déploiements sur le terrain, l'occupation des couloirs, des différents couloirs. Ça m'a beaucoup vraiment aidé. Parlez-moi un peu de la matière que les entraîneurs sont en train de vous transmettre. Vous pensez que ça peut vous aider à mieux faire dans la phase finale de la compétition? Oui, la raison pour laquelle on est là, avant la compétition, on doit se préparer. Alors moi, j'ai confiance à notre staff technique. Et là, ils ont des matières très encourageantes pour l'amélioration des systèmes de jeu. Parce qu'on doit avoir plusieurs systèmes de jeu, ce n'est pas que question d'approvisionner un. Donc, on doit avoir plusieurs. Là, on a travaillé pour le déploiement des systèmes de jeu que nous devons focaliser aussi. Même si ils nous enseignent le déploiement, mais on doit ajouter aussi que dans le système de jeu qu'on a appris, les blocs, et donc on doit insister sur les blocs pour ne pas perdre le match. Vous savez, au basketball, s'il fauteuil, si vous faites une meilleure défense, vous avez la chance de gagner la compétition. Je n'ai pas dit le match, mais la compétition. Parce que c'est ça, la mère du basketball, s'il fauteuil. Donc, je dois revenir d'abord au voyage. Vous savez que l'avion, ça a toujours été fatigant de faire le voyage là. Mais, Dieu merci pour nous, on a eu un jour de repos. On s'est bien reposé et nous sommes repris hier. Donc, première séance d'entraînement ici à Johannesburg. En tout cas, l'ambiance d'abord, il faut dire, dans le groupe pillé, on s'est bien adapté aussi au climat parce que la plupart de nous ont déjà l'habitude de fréquenter l'Afrique ici. Il faut se les souligner aussi. Le climat compte aussi. Maintenant, pour les premières séances que nous avons effectuées, ça s'est très bien passé. Vous savez, nous sommes dans les derniers virages et on doit beaucoup insister sur les petits détails. Donc, ça veut dire, les petits problèmes que nous en avons dans des matchs, souvent, des finitions, des petites choses comme ça, des délibérations, le staff technique maintenant insiste sur ça. Alors, pour ces stages en Afrique du Sud, c'est comme je viens de dire, c'est un dernier virage. Donc, on doit être strict et travailler durement pour affronter la compétition. Oui, il faut souligner que c'est une première pour nous de jouer une qualification à domicile à Kinshasa. C'est une chose encourageante et ça nous a motivé aussi de chercher la qualification à domicile. Parce que vous savez, sans cette qualification, on ne parlera pas de cette préparation. Donc, cette qualification nous a aidé à progresser aussi parce qu'on a affronté un adversaire que nous ne connaissons pas. Mais ça nous a aidé à progresser. Donc, cette qualification a été une chose encourageante, comme je viens de le dire, pour nous, afin de réaliser nos rêves, atteindre aussi l'objectif qui nous attend bientôt là au Ghana. Oui, je dois dire que le technicien qui est M. Max nous aide beaucoup, même si on aura 2 semaines avec lui. Ça peut apparaître peu de temps, mais je dirais que ce que nous avons fait à Bujumbura et ce qu'il est en train de compléter va beaucoup nous aider. Vous savez bien qu'en tant que compétiteur, il faut attendre plusieurs choses, même si sur le point négatif ou positif, il faut être toujours prêt comme un soldat. Donc, M. Max contribue aussi à des systèmes de jeu. Cela nous permettra aussi de bien entamer la compétition. Vous savez que la compétition est trop élevée. Alors, avec l'expérience que M. Max en a, ça va beaucoup nous aider à évoluer et à bien affronter nos adversaires. Je dirais d'abord plutôt merci au Gara de la Nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il a fait de nous, ça veut dire qu'il nous connecte directement avec lui et il nous donne la confiance. Donc, cette confiance mérite et un retour des résultats positifs. Donc, merci dans l'ensemble du gouvernement congolais de ce qu'ils ont fait de nous. C'est un exemple pour les restes des personnes vulnérables. Alors, j'appelle la diaspora congolaise
dans tous les continents, dans tous les continents, précisément ceux qui sont au Ghana, précisément aussi à Accra, de venir nous soutenir. Vous savez, notre motivation dépend aussi d'eux. Leur soutien, ça va nous encourager aussi de bien affronter la compétition. Vous savez, en tant que joueur, je dois le dire, et en voyant vos compatriotes dans des gradins en train de crier, de vous encourager, ça motive aussi d'aller chercher la victoire. Donc, j'allais à sa peine. Votre présence est vivement souhaitée pour nous soutenir afin de réussir et de gagner ce ticket de Paris 2024. Merci beaucoup, Ronel. Ok, c'est moi qui vous remercie. Ça va donc finir pour cette émission de ce mercredi 16 août 2023 que nous avons donc réalisé ici une émission spéciale en Afrique d'ici avec le Léopard Basketball sur fauteuil à qui nous avons donc pris en exclusivité l'athlète et capitaine également de ce Léopard senior de la République démocratique du Congo qui évolue également dans le basketball sur fauteuil qui sont en préparation ici en Afrique d'ici. Nous avons donc abordé plusieurs sujets donc tout au long de cette émission et on vous propose également aussi de belles interviews comme on va le faire encore pour ce vendredi. Merci également à la grande équipe technique qui travaille ensemble avec moi ici en Afrique du Sud. Là j'en profite également pour saluer également Falan Kamunda, le conseil de l'RTGA et puis Christopher Kibengue à qui nous avons donc travaillé aussi ensemble avec lui et je reste également reconnaissant pour ce grand travail. Je salue également la grande équipe technique de la régie à Kinshasa, Richard Vubi, Nduzimbala et Timbandala. Merci pour la réalisation de cette émission, la mise en forme également de cette émission. On se retrouve très prochainement le vendredi à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur le programme de PS Télévision. Ciao.